Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente, une fois par semaine, un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici, pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Verbal Delirium est né au pied du Pirée en 2006. Un quintet de rock progressif dont un quatrième album, Conundrum, voyait le jour en novembre de l'année dernière. Je dois cette découverte à Gerlind Rock, une parfaite inconnue avec qui je partage des goûts musicaux et des amis Facebook. Outre les 5 musiciens du groupe, chant, basse, clavier, guitare et batterie, Verbal Delirium s'entoure de nombreux artistes avec sur cet album un violoniste, un saxophoniste clarinettiste et plusieurs chanteurs. Leur musique est d'une grande richesse, mêlant folk, symphonique metal, rock, progressif, chœur, et si les mélodies sont extrêmement variées, l'album ne part pas pour autant dans toutes les directions. Verbal Delirium puis ses inspirations chez Queen, The Beatles ou encore Pain of Salvation. Autant dire que leur musique est riche et un petit peu barrée. L'album Conundrum se décline en 8 morceaux pour 50 minutes avec deux pièces qui dépassent allègrement les 9 minutes, The Watcher et Neon Eye Cage. Verbal Delirium passe du grandiloquent Falling aux influences symphoniques et métal à l'improbable titre album instrumental Conundrum, un titre folk dansant digne des excès du rock progressif des 70s. In Pieces vous fera sans doute songer aux Beatles, mais également à Pink Floyd. C'est si bien écrit que je n'y vois aucun plagiat. Tout au plus, un très bel hommage. Et son final improbable à la Karl Orff s'intègre étonnamment bien dans le morceau. Intruders fait beaucoup penser à Queen de par son exubérance, quelques passages vocaux fabuleux et même les guitares. Mais mon titre préféré s'intitule Children of Water, où le chant de Jorgon fait des étincelles sur une musique assez géniale, proche du Pain of Salvation période Scarsic. The Watcher est également assez barré dans le genre, limite grotesque, avec un refrain qui est en total contrepoint avec les couplets qui virent eux au métal. Enfin, la ballade violon-piano de Fall from Grace vous emportera tel un Gentleman Excuse Me de Fish avec en prime une magnifique section de guitare dans les dernières secondes. Conundrum n'est pas le genre d'album que j'affectionne particulièrement d'ordinaire. Les trucs un peu barrés, les rythmes dansants et les mélanges ne font pas bon ménage sur ma chaîne. Pourtant, j'adore cet album. Je ne peux que vous le recommander chaudement. Je vais d'ailleurs explorer leurs autres compositions pour me faire une meilleure idée de ce groupe atypique et talentueux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. À bientôt, bisous !